bizarre. Tu te rappelles de moi? Non, ce soir je pourrais pas venir te voir, c'est pas possible. Écoute, je t'appelle juste pour une chose. Je suis un peu ennuyée là, je retrouve pas ma nuisette. Est-ce que par hasard je l'aurais pas laissé chez toi? Si. Oh mince. Oh, je suis emmerdée là. Non, j'ai pas le temps de la récupérer chez toi. Non, non, surtout ne te déplace pas, ne me la ramène pas, c'est pas grave, je vais les ramener autrement. Oh putain, je me suis chutée un sérum, j'ai sorti le pull de mon armoire, il s'est bourré d'acariens. Oh, j'ai tout contre moi aujourd'hui. Faut que je te laisse, hein. Merci. Oui, peut-être à une prochaine. Oui, c'est ça. Salut. Suzanne! Bon... Ah! Pierre! Comment vas-tu? Ben voilà, ça va. Ah, je suis contente de te voir, mais bon, je m'aperçois que tu n'as rien. Comment ça? Mais tu n'as pas emmené le repas? Ah, oui, au fait, à propos du repas. Le traiteur était fermé, c'est son congé annuel, tu comprends. Donc, ah bon? Moi, j'ai commandé les pizzas, elles seront là dans une demi-heure. Pizza? Ah bon? T'as choisi quoi comme pizza? Alors j'ai pris une margherita jambon fromage. Oh mais je n'aime pas le jambon, tu le sais très bien que je n'aime pas le jambon, tu commences bien hein. Alors l'autre c'est facile, il y a du chorizo et des anchois. Je n'aime pas les anchois. T'enlèveras les anchois? Bon. D'accord, j'ai pas le choix. Allez rentre, tu fais rentrer le froid là, rentre. Alors, oh, s'il te plaît, tu n'oublies pas de mettre les chaussons, hein? Oui, ceux-là. C'est les chaussons que je t'ai offert. je les avais oubliés. Oui. T'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, ça tombe bien comme ça quand je viens. Et mes chaussons! Ben voilà, tu vois, c'est formidable. Allez, vas-y, rentre vite, va. C'est moi, j'ai un peu froid, là. Bon. Ouais. Par ça, tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Ouais. Oh, ça va. Écoute, faut que je te parle aussi parce que j'ai un petit changement de situation dans ma vie. Ah. Bon, je vais avoir chaud avec ça. Oui, moi aussi, j'ai commencé un petit peu à avoir chaud. Bon, écoute, je vais me changer. Hein, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Oui, je vais boire un verre. Oui, un verre. Je me mets à l'aise. Oui. Oui, oui, oui. Bon, ben, allez, à toute. Hein. Un homme ruine notre réputation avec quelques petites phrases bien venimeuses. C'est pourquoi j'ai dû inventer la femme que je suis. Chérie, tu penses aux biscuits apéritifs? Oui, bien sûr, bien sûr! Voilà, je les ai! Ah mince! Ah ben, je me suis trompée, c'est du fond de veau! Bon, je crois que j'ai pas d'apéritif, hein. Je suis désolée! C'est pas grave, chérie. Tu te changes quand? Ah ben, écoute, je me change pas parce que. Je sais pas, je suis tombée malade. Depuis ce matin, je suis très très malade. Et j'y peux rien. C'est comme ça, c'est venu subitement. Bon, on va s'installer, on va prendre cet apéro. Oui, bien sûr. Voilà, bon. Allez, j'arrive. On va traquer à notre première rencontre. Ah oui. Tu te souviens, il y a combien de temps? Je crois que ça fait bien une semaine, non? Une semaine de bonheur. N'est-ce pas? Je suis un peu malade, comme je te l'ai dit, je suis désolée. Oui.
Non, mais tu sais, j'ai la peau irritée avec le froid, là. Ah, mais je vais te réchauffer. Ah, non, mais comme ça ira. Écoute, dis-moi, tu m'as dit que t'avais un problème. Oui, oh, on peut en parler tout à l'heure, hein, dis-moi. Non, autant que tu dises tout de suite tes problèmes, ou ça. D'accord. Si je peux trouver une solution, hein, c'est... moi, je suis toujours là pour aider les autres. Hein. Bon, alors, c'est quoi ton problème, Pierre? Oui, donc j'ai un petit souci, mais bon, ça va s'arranger. Hein. Ce n'est que momentané. Tu sais, la fabrique, je travaille dans une entreprise agricole. Une grande entreprise agricole sur Strasbourg. Tu m'avais pas dit que tu travaillais dans une banque. Non, mais ça, c'était avant. Mais là, j'étais responsable d'un service. Laisse-moi parler, s'il te plaît. J'étais responsable d'un grand service dans une grande manufacture. Enfin, dans une grande entreprise agricole à Strasbourg. Et le problème, c'est que j'étais responsable du service, enfin, tu sais, comment dire, en fait, c'est une entreprise... Tu t'embrouilles, mon cher, tu t'embrouilles. Laisse-moi parler. C'est une entreprise où il y avait plein de silos de blé. Tu sais, c'est un truc... Et en fait, je faisais l'élevage de souris blanches dans un des tiroirs de mon bureau, et j'ai laissé mon tiroir ouvert. Donc, imagine... Je comprends rien. Il y a eu restriction de personnel et hop, voilà, ils m'ont demandé agréablement de prendre mes affaires et de partir. Donc en clair, tu es au chômage. Ça ? Au chômage, oui, momentané, je veux dire. Partiellement ? Voilà, partiellement, je veux dire, je suis en route, sur la grande autoroute pour retrouver du travail. Et... Il y a beaucoup d'impasses, certainement, sur cette route, non? Je ne sais pas. Donc... Et tu es tombé sur moi! Et moi, je suis la bonne poire, c'est ça? Pour t'accueillir? Mais pas du tout. Je veux dire... Mais pourquoi tu me dis tout ça, d'ailleurs? Parce que je me demandais si tu pourrais éventuellement me prêter 500 euros jusqu'à... jusqu'au mois prochain. Je te les rendrai, bien sûr, avec... Ça va pas? Parce que là, en fait... Écoute, je crois que... J'ai de l'abs... Parce que ça fait 2 mois que j'ai pas payé mon loyer. Et que mon propriétaire m'a gentiment demandé de partir. Oui, écoute, je t'aime bien. T'es quelqu'un de droit par moment, mais bon, je peux pas te garder. Je peux pas. J'ai pas de place chez moi. Hein. Bah, non, mais non, mais bon, tu vois bien que les chambres, y a rien dans les chambres. Il y a que... Ah, mais je t'arrête. Je peux ramener mes meubles. Non, je ne peux pas prendre tes meubles. C'est pas possible. T'as bien vu, les pièces, elles sont trop petites pour accueillir tes meubles. Mais juste pour une chambre. Je ramène mon lit... Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas. Je suis asthmatique. Mais après tout ce qu'on a vécu... Ne me touche pas, s'il te plaît. Les deux, là, ensemble. Non, écoute, c'est bon, écoute. Voilà, c'est... S'il te plaît. Et puis, j'ai une urgence. Écoute, il faut que j'appelle mon médecin. J'ai de l'asthme. Suzanne, notre histoire d'amour alors? Il n'y a jamais d'amour entre nous! Non! Tu peux pas me dire ça! Faut que je boive.